C'était pas gagné tout de suite. Moi, je voulais surtout pas aller dans le soin. Parce que justement, mon expérience personnelle, familiale, faisait que j'avais l'expérience du handicap chez moi depuis que je suis toute petite. Et c'était pour moi une évidence que je voulais surtout pas en faire mon métier. Ouais. J'en avais suffisamment eu dans ma vie pour que j'ai eu mon compte quelque part, mais évidemment que ça imprègne, que ça forge. Et après, ce qui a joué, oui, c'est une rencontre. Et j'ai rencontré une psychomotricienne. Et c'est vraiment ce métier-là qui m'a fait me rendre compte qu'il fallait que j'aille dans le soin.